les saints de tous les temps et les âges, qui avaient marché dans la lumière du Seigneur. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous célébrons Sainte Tatiana. Fille de consul, Tatiana vivait véritablement sa foi chrétienne. Refusant de renier sa foi, elle a été condamnée à être suspendue à une potence, le corps mis à nu. Ses bourreaux lui firent beaucoup de mal en la décapitant. Elle est invoquée pour sortir victorieux des persécutions et du harcèlement. Tatiana était une diaconesse de l'église chrétienne romaine et elle soignait avec zèle les malades et visitait les prisonniers. Pendant les années de persécution, elle n'a pas renoncé à sa foi. Elle avait un caractère fort et ferme. Selon la légende, sept bourreaux qui la tourmentaient ont cru en Dieu. Et le lion dans la cage duquel elle avait été jetée, au lieu de la dévorer, s'est mis à lui lécher les pieds. Tatiana nous apprend à ne pas rendre le mal à ceux qui nous ont fait le mal. Elle nous invite à rester positifs, sûrs de notre foi, même pendant la persécution. Que notre attitude d'amour, même après la persécution, puisse toucher nos ennemis et les faire changer. Se venger est l'acte des faibles qui se sont plutôt laissés transformer et éduqués par l'ennemi. Sainte Tatiana, priez pour nous. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Tatiana, Tiane, Tania. C'était votre émission, ton Saint Patron te parle. À demain. Les saints de tous les temps et les âges, qui avaient marché dans la lumière du Seigneur.